C'est une situation qui nous interpelle particulièrement. Et c'est une situation donc nous vivons avec beaucoup de peine. Parce que non seulement il s'agit de personnes que nous connaissons, mais il s'agit de jeunes qui sont l'avenir, qui sont l'espoir, non seulement de leur famille, mais de tout le pays. Ces jeunes, donc, ont été victimes de mines. Certains sont morts, d'autres sont blessés gravement. Et nous en profitons pour faire un appel à toutes les populations qui veulent retourner chez elles. Donc, de pouvoir le faire en usant de la stratégie que nous utilisons, c'est-à-dire que ces retours se fassent après, effectivement, des discussions, après des contacts avec toutes les parties prenantes, avec tous les hommes en armes, mais avec aussi les autorités administratives et locales, que ce soit des réinstallations, donc négocier avec tout le monde pour ce retour chez soi. Et cela éviterait, effectivement, à notre avis aussi, des situations aussi dures, aussi catastrophiques, qui remettent en cause cette accalmie que nous avons connue depuis plusieurs années. Et nous pensions que nous allions aller renforcer cette accalmie par des négociations pour arriver directement à la paix.